Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 15, me semble-t-il. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. De Resident Evil 4, on s'est arrêté à une situation assez complexe qui était face à ces deux-là. D'accord? Et je crois que de toute façon, là, il y a une cloche. Il y a une cloche, et ça, c'est plutôt cool. Je crois que ça, c'est plutôt cool. Donc, on va tuer ces deux-là. On va essayer une technique de type. Voilà, ça se ferme. Allez, on s'en bat les couilles. Non. Ok. Quoi? Mais c'est quoi vos conneries? C'est quoi vos problèmes à vous tous? Oh bah ouais, mais alors là... Oh c'est un carnage. Oh là les gars, j'étais un putain de steak haché. Bon allez, je me laisse mourir. J'étais un putain de steak haché les mecs. Faut pas chercher midi 14h, je me suis fait enculer. Bon. Nouvelle stratégie, la vidéo commence saignant. Hein. J'espère que vous aimez ça. Oh mais c'est terrible. Miskin, je vais chercher la plante. J'ai pitié. J'ai pitié de moi. Ah mais là les gars. Là, je vois pas comment faire. Là, les gars, y a pas de putain de secret. Hein. Là, y a pas de putain de secret. Voilà, oh, là. Ouais, mais là, les mecs, c'est oufement trop chaud. Je vois pas comment faire. Je suis un steak haché, sa mère, dans ce jeu. Je vois pas du tout comment faire. À moins de tracer, je vais essayer en traçant. Mais, je vois pas. Allez, ferme-la. Non! C'est rien! Yo. Oh ouais, d'accord, putain. Mais mec, c'est tellement trop dur. C'est tellement trop dur! Oh, j'ai loupé. Un en moins. Waouh, je retiens ma respiration, les mecs. Là, je suis en... Je suis pas bien, là. Là, je suis pas bien, les gars. Là. Oh
Allez, ça dégage. Oh la vache, c'était chaud. C'était très très chaud les mecs. J'y croyais très moyennement, hein, pour être honnête avec vous. Merde, donnez-moi des munitions, putain. 10 balles de pompe, c'est même pas assez. Oh là là, ça plus les émis, c'est le cancer absolu. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été inceptionné dans mon... dans ma visée laser. Comment on va faire? Comment on va faire? Ok, c'est plutôt cool. J'ai récupéré pas mal de trucs sympatoches, dont encore un spray. Hein, ça, c'est vraiment le... Donc, on va mettre ça ici. Et mes balles de pompe, parce qu'ils m'en ont donné pas mal. Mais j'ai plus du tout de balles de snipe. Et les balles de snipe, c'est chiant. Parce que ça fait très mal. Et là, vu qu'on va affronter un boss, c'est un peu relou. Y a plus rien. Ok. Ok, on est parti pour le boss. On est parti pour le boss. Oh la vache, putain. Ça va pas s'arrêter, hein. Ça va pas s'arrêter, on suit bon chemin, hein, comme on dit, hein. Ah, c'est tellement chaud. Allez, go. Je suis mort, je suis mort combien? Je suis mort 3 fois. Je suis limite satisfait d'être... Oh non, il y en a pas d'autres. Les mecs. On se la joue. Ah, oh, c'est sympa, ça. Des accueils comme ça, c'est plutôt cool. Ça va partir en couille. Ça va partir en couille, bougez pas. Bougez pas, j'essaye de voir s'il n'y a pas un petit trésor. Sait-on jamais? Il n'y a pas l'air d'y en avoir. Ok. Ok. J'ai plus que 15 balles de pistolet. Je vois pas comment je vais tuer un boss avec ça. Je vois pas. Très clairement, à part le lance-roquette... Ashley. Leon. Mr. Kennedy. Don't you know when it's time to throw in the towel? No! Leon! Where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this old trick. How dare you! No more games! Kill him! Kill! Quickly! We shall prepare for the ritual! Leon, you're alive. Ah oui, d'accord, donc on retourne dans les égouts. So maybe you have 9 lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Quoi? C'est une blague? Non, faites pas ça! J'ai pas sauvegardé? Non! Attendez. Non! Les gars, pas ça! Je crois que je dois tout refaire. Ah bah si je dois tout refaire, on va faire un flashback, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est terrible! Je crois même que j'en reviens à l'épisode 14, miskine. Attendez, bougez pas, ça me fait très très peur. Ok. Oh là là. Oh, c'est cuit. Oh, c'est cuit. Regardez ce que je dois refaire. Regardez ce que je dois refaire, putain. Bon, nickel. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Flashback, les mecs. Adieu. Eh bien, re tout le monde. On est reparti. J'ai réussi à faire et à refaire bah, toute la partie qui était embêtante. Donc, celle du pont. Et celle avec les deux Wolverine, on va les appeler comme ça. Et donc, j'ai réussi beaucoup plus facilement quand même, hein, pendant que je l'ai fait en off. Parce que j'avais déjà la technique de tous ces échecs, bien évidemment, de début d'épisode. C'est-à-dire que je suis allé directement dans le couloir à gauche, j'ai snipé tous les petits clampins, les petits serviteurs. Et après, j'ai arraché les deux Wolverine. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle là-dessus. On peut continuer. Je m'étais arrêté au couloir qui était ici. J'ai pas été plus loin. J'espère que ça n'a pas rebugué. De toute façon, quoi qu'il arrive, cette fois-ci, j'ai pas fait les reins. Hein. Je suis allé sauvegarder en arrière dès que j'ai réussi. Donc,
Il y aura deux ou trois morts en moins, étant donné que bah, je l'ai réussi du premier coup. Et en plus, j'ai pas utilisé plus de soins que ça. Hein. Vous pouvez le voir, j'ai plus d'herbe jaune, ça par contre, c'est une évidence. Mais il me reste le spray qu'ils m'ont redonné, forcément, dans le couloir. Et puis toutes les herbes. Hein. Donc j'ai fusionné trois herbes ici pour faire un complet, histoire de redonner toute la vie. On est parti, les potes. Conversation avec notre ami. Ashley. Leon! Mr. Kennedy! No! Leon! Donc, on refait vite fait cette scène. Vous avez bien vu, hein, je me suis bien arrêté juste avant. C'était là que ça buguait, j'espère que ça va pas rebuguer. So maybe you have nine lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand come. On va passer par pure précaution parce que je le sentais pas. Et de toute façon, on avait déjà vu la combe. Ok. Oh, bah d'accord, déjà un vendeur. Donc, on est parti. Des balles de Magnum. Herbe jaune, plus des balles de TMP, plus une grenade incendiaire. Bon bah, c'est boss. C'est boss, je vous le dis direct, messieurs. On n'est clairement pas bien. Tiens, qu'est-ce qu'il a? Une couronne. Alors, je sais que ça vous énerve. Ça vous rend fou, les mecs. Ça vous rend fou. Parce que j'ai eu le temps de sortir la vidéo, l'épisode 14, auparavant. Et j'ai eu le temps de lire les commentaires. Et je sais que ça vous énerve que je garde tous les trésors. Mais les gars, je kiffe ma race. Tu vois ce que je veux dire? J'ai tous les trésors, je suis là. Je suis blindé, je suis pété d'oseille pendant que t'es en train de rager, tu vois. Je suis dans mon jacuzzi. Bon, là, dans les égouts. Et toi, t'es en train de rager. Et ça, je kiffe de ouf. Ok, on est parti. On va visionner la carte quand même. Parce qu'on va pas faire les malins trop longtemps. On peut monter, mais c'est pas le chemin. Ah oui, c'est chiant ça. Ça, c'est très très chiant. Bon, bah, on n'a pas le choix. On va devoir faire les égouts. Est-ce que par hasard, je peux grimper? À titre informatif, mais ça mène où? Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Ah, ça mène à l'objectif. D'accord. Hop, commence casser quatre jambes normalement. Ok, on va voir si le vendeur a quelque chose d'intéressant à nous vendre. Hein. Il est là pour ça. Donc, oh, j'ai des objets rares étrangers. Tiens, nouvelle arme. Vas-y, ma petite gueule argentée. Eh ben voilà, là, on peut discuter. Là, on peut putain discuter. Le Striker, le meilleur fusil à pompe du game. Ah, le plaisir, ok. Et je peux optimiser quoi? Ah, c'est dommage, je peux pas utiliser le Ren 9. Par contre, je peux optimiser le Striker. Bon, bah, c'est parti. On va vendre mon fusil à pompe, qui est ici. Je l'avais pas beaucoup de fois. De toute façon, je l'avais même pas amélioré parce que je savais que le Striker allait sortir. Mais je pensais pas aussitôt, vous voyez, j'aurais misé un petit peu plus tard. Donc, c'est parti. On peut l'avoir. Oh, ça, c'est... C'est tellement bon d'avoir la sensation d'évoluer comme ça. En plus, il est plus petit. Oh, le plaisir. Ah, je vais cartoucher du monde là-dedans, je te raconte pas. Hein. Ça va partir en couille très très vite. Hein. Ah là, les gars, je vous le dis, ça va pas être une bar mitzvah là-dedans. Ça va partir en couille très très vite. Ok, c'est parti le Striker, donc. On améliore. Ah, je peux pas l'améliorer plus, par contre. Ça, c'est un petit peu chiant. Je l'ai déjà limite... il est déjà plus puissant que le fusil à pompe que j'avais amélioré. Donc, c'est très très bien comme ça. Le Broken Butterfly, on évite parce que je vais avoir un meilleur Magnum dans pas longtemps. Donc, vous voyez, il me reste 65 000. Ai-je vraiment besoin de vendre tout cet or? Tout s'est levé, les amis. Je ne pense pas. Autant attendre et accumuler les trésors. Oh là là, tout cet argent qui ronfle et qui vous énerve dans mon inventaire. J'adore. Ok. Bon, il n'y a plus rien à faire par ici. Et c'est pas par ici la sortie. Donc, je vais fouiller quand même une petite dernière fois. Sait-on jamais, par pure précaution. Et je sauvegarde. C'est plutôt cool. Je pensais vraiment pas que... Pour moi, c'est fou, hein, comme quoi les souvenirs sont parfois un peu corrompus. Pour moi, j'étais quasi persuadé que le Striker se débloquait... Le troisième chapitre, je sais pas, c'est quelque chose comme ça qui m'était rentré en tête, mais il s'avère que non, pas du tout. Alors, ça faut fouiller, j'en avais déjà ce souvenir. Juste, petite préco comme ça au passage, est-ce qu'il y aurait pas un trésor là-dedans, là? C'est vraiment chiant les chauves-souris, hein. Je sais pas vous les gars, mais c'est hyper relou. J'ai bien envie d'utiliser une grenade flash pour leur flasher la gueule. Ok, ça va être le retour des trucs invisibles, ça. Je la sens pas, frère. Hey, je la sens pas du tout, là. Ok, on est parti. On va combiner des petites herbes de type aromatique, évidemment. C'est toujours un plaisir. Qu'est-ce que c'est? J'ai cru que quelque chose était sorti. Oh là là, bah c'est reparti, les mecs. C'est pas derrière, hein. Ok, ça a pas l'air d'être derrière.
Ça va être très chiant. La phase très très chiante. Heureusement qu'il y a de l'eau. Enfin, au final, est-ce qu'on s'en bat... Est-ce qu'on s'en battrait pas les couilles qu'il y ait de l'eau? Oh putain, c'est chiant. Non, c'est relou. Ok. D'accord. Je sais que j'étais observé. Mais il n'y avait personne. J'avance en parcimonie. Hein. J'avance en parmesan, comme on le dit dans le domaine de la pizza. Ils ont pas refait cette cinématique non plus, d'accord. Ils ont estimé que c'était totalement inutile. Ok, c'est derrière moi. J'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'ai très peur. J'ai très très peur. Alors attendez, bougez pas. Où est l'autre point de sauvegarde? Ah, il y a un point de sauvegarde juste derrière moi. Excellent ça. Ah bah oui, mais forcément pour ouvrir la porte, va falloir vendre un rein, ma petite gueule argentée là. Yo! Ok, 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 ok. Le petit heal. Le petit spray, ma gueule. Ouais. C'est bizarre à quel point je me chie encore un petit peu plus dessus. Chaque jour n'est qu'une chiasse abondante. Ok, le petit plaisir. Bon, ah, c'est un boss. Il y a des bonbonnes par ici. J'ai le souvenir qu'il y avait une sorte de boss hein, ici, hein, non? Bah oui. Ça ne fonctionne pas. Et j'avais le souvenir qu'il y avait bien un boss par ici. Mais alors lequel? J'en ai plus aucune idée. Quoi? C'est quoi ces conneries? Ok, on va tracer. Oh, j'ai peur. Oh là là, oh là, oui. Je crois me souvenir. Quoi? C'est quoi là-dedans? Attendez, je vais voir. C'est quoi? Oh, mais la musique et tout. Non, par pitié, ma petite gueule argentée. Hop là! C'est bien, j'entraîne ma gym. Ma gym quotidienne, c'est toujours un plaisir. Ok, là, il y a des... Là, il y a des bonbonnes. Putain, c'est relou, par contre. Je suis là, je fais des galipettes H24, frère. Frère. Ok. Jusqu'ici, il n'arrive pas à m'avoir. Miskina. Comme on l'appelle dans le milieu de la miskinaterie. Ok. Ah, c'est terrible. J'étais clairement pas prêt. Quoi? Oh bah d'accord, il a abandonné. Oh là là. J'aime pas ça. Mon trou de balle a mal. Waouh. C'est quoi ça? Vous m'avez donné trop de balles. La peur. Ah! Oh la vache. Oh là là, tous les heals et tout, mais c'est quoi? Mais vous êtes fous? Oh oui, mais vous êtes fous? Vas-y, j'active ma gueule. Tu vas faire quoi? Moi, je te baise, moi. Viens me chercher, mon pote. Oh bah là, on est cuit, hein, les gars. Là, on est comme le riz, on est cuit. Veuillez patienter. Environ 4 minutes. 4 minutes? C'est le temps que j'avais prévu qu'il reste pour la vidéo. Ok. Moi, je patiente, ma gueule. C'est 4 vraies minutes? J'avais plus trop le souvenir. Ok, les bonbonnes, on ne peut rien y faire. Ouais, c'est bien fermé. Hein. J'ai peur. La peur m'enivre. Ouais. Très bien, c'est un plaisir. C'est quoi ce bordel? Non, il va déjà m'enculer. Ferme-la. Tu commences à me saouler. C'est là, tu racontes ta vie, hey. Ok. Oh là, Rodriguez. Alors, ma petite gueule, on est bloqué. Oh putain, ma petite gueule. En fait, je crois qu'on ne peut pas le tuer. Et ça, c'est chiant. Ah! Mais quoi? Ah, c'est bon, j'ai souvenir. Il aime pas le feu, ma gueule. Il aime pas le feu, ma petite gueule. C'est ouvert! Mais je crois que je peux le tuer! Vais-je tenter? MDR, non! On court! Ok. Il est où ce petit bâtard? Je m'en fous, je le fais. J'en ai rien à foutre.
On reload. Toujours rechargé. C'est toujours un succès. Ok, donc ça sert juste à cryogéniser la bête. Et donc à perdre du temps. C'est un réel plaisir. Il est derrière moi là. Il est bien derrière moi. J'ai peur. Mais alors, putain, Léon, tu fais carrément des trucs comme ça, toi. J'étais pas au courant, ma gueule. Ah, mais il est pas là. Oh, Miskina. Il est... Ah. Ouvrez. Ah. J'ai peur. Dépêche-toi, ma gueule. Le stress m'habite. Quoi? Ok. Ok, hola. Hola, que tal? Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Ouais. Laisse-moi passer, ma petite gueule. Ok. Hein? Ok. Vas-y, viens, ma gueule. Tête de ma mère! C'est entre... entre toi et moi. Hein? Ok, je peux plus le tuer. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est très très chiant. Comment on va faire? Hein? Et ça, t'aimes bien ça, ma petite gueule argentée? Ça, t'aimes bien ça? Moi, je peux t'en remettre, moi, des balles. Ah! C'est rien, frère! Yo! Ok. Bah, par contre, c'est chiant. Quoi? Oh là! Oh la vache! Ah, j'ai pas prévu ça. Combien de temps? Combien de temps il faut? Ah! Hello, darkness, my old friend! Ah! Arrête! Oh putain, salopard! Ah d'accord. Ouais, ça peut marcher comme ça. D'accord, il me restait quand même 2/3 de ma vie. C'est quand même assez gênant ce petit passage-là. C'est pas très gentil, monsieur. Ok, je sais comment on va faire. Sur ma vie, on va l'arracher, le bordel. Vous allez voir, on va le découper. Enfin, normalement, c'est prévu comme ça dans ma tête. Ok. Ok, on va tout reprendre. Yes. Là, je vais m'en occuper, là, les gars. Ça fait le malin, Miskina, mais ça me connaît pas. Attends. Ah, j'avais cru voir des munitions de... Hein? D'accord, je crois avoir des munitions de fusil à pompe partout. Je vais m'en occuper. Par contre, 2/3 de vie, ça one-shot, c'est pas très gentil, hein. Ça me fait moins peur, maintenant que je connais un peu mon adversaire. Je serai le dompté. Enfin, normalement. C'est prévu comme ça dans ma tête. Ok. Hop. Yes. Bon. Évidemment, un pistolet, dans ce cas précis, est totalement inutile, n'est-ce pas? Hop, voilà, petite esquive latérale, c'est rien, j'ai plus peur de toi maintenant. Sur ma vie, tu vas être choqué, tu seras jamais prêt. Toutes les bonbonnes, je vais devoir les utiliser en parcimonie. J'irai même en parmesan. Ah, tu me l'as pas fait tout à l'heure, ce coup-là, par contre. Je vois que t'apprends des petites techniques au fur et à mesure du temps, ça fait plaisir. Ok, est-ce qu'on peut le tuer au moins? Moi, j'ai souvenir qu'on peut le tuer, hein. Alors certes, pas facile, mais possible. Ok. Il y a 3 bonbonnes. J'ai pas le droit à l'échec. Putain, ils font des feintes à chaque fois dans les... Allez. Voilà, ça on l'a déjà vu, on va passer, j'ai rien à foutre. Ok. Voilà, on va passer. Yo. J'ai voulu faire le malin, Miskine. C'est quoi ces conneries? Il est où? Alors toi... Ok, il est plus très cool là. Il est plus très 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 gentil là. Oh, ok, on va utiliser une herbe. Je panique. Je ne sais plus comment je m'appelle.
Hop, on reload, toujours un plaisir. Eh, viens, ma gueule. Ah! Putain, fais chier! Ah, putain. Allez. Tu vas pas être prêt, ma gueule. Toujours. C'est toujours un bonheur. J'aimerais bien pouvoir. Est-ce qu'on peut tuer? Ah! Non! Pas très gentil. Hop, on reload. Yo. On va rester près de la bonbonne. Allez, viens, ma gueule. C'est bon. Je sais pas du tout si ça va le tuer cette fois-ci. Ça serait bien. Ok, de toute évidence, ça ne suffit point. Non, mais non, arrête, ouais, c'est relou ça. Joue le jeu un peu, Miskina. Ah là 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 là, c'est terrible. J'aimerais éviter de me prendre un headshot comme tout à l'heure, ça serait sympa. Bon bah, dernière tentative, dernier bidon, me semblait-il. Voilà, et il est par ici. Bon. Vas-y, ma petite gueule. Hop, 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 voilà. Je connais bien tes petites acrobaties, ma gueule. Allez! J'espère la dernière. J'espère la dernière, putain. Parce que j'en ai marre! C'est pas la dernière! C'était la dernière séance, c'était la dernière séquence, et le rideau sur l'écran est tombé. Quoi? Oh d'accord, très bien. Alors là, c'est un putain de plaisir. J'ai plus rien, j'ai plus de balles, c'est un délice. Putain, mais c'est pas vrai. Tu fais peur là. Fais pas le con comme ça. Oh là là, mais... il est immortel. Quoi? Il est mortel. Immortel. Ah oui, il a cassé la porte. Ah putain, il m'a fait peur. Quoi? Mais si j'esquive, c'est pas pour me le prendre juste après. Ah bah voilà, putain. Ok, un terrible assassin. Ouais, mais là, frère, j'ai donné ma vie, putain, littéralement. Oh, damn, Daniel! Oh la vache! Ok, 3 balles de striker. Bon, bah, balles de TMP, ça, je les ai déforaillées. Ok, 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 il me reste pas grand-chose, très honnêtement. Et j'ai plus de balles de pompe, et ça, c'est assez chiant. C'est assez chiant. Mais bon, on s'en est débarrassé. Oh, le striker fait pas tant de dégâts que ça, finalement. Ok, on est parti. J'aurais pu simplement attendre. Hein. Là, si j'ai gagné un trophée, c'est parce que, bon... Je suis un terrible assassin, de toute façon ça a été dit. Mais voilà, j'aurais pu attendre. En tout cas, pas évident celui-ci. Voire même assez compliqué. It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get a girl. Oh, and dispose of this swine while you're at it. Consider it done. Et ben voilà, fin du chapitre, messieurs. 79% de morts, ennemis tués 81, ce qui monte à 523. Le nombre d'ennemis tués en tout, c'est plutôt pas dégueulasse, je sais pas ce que vous en pensez. Donc on va s'arrêter là, les amis. Je pense que la bataille fut dure et cette vidéo fut très salée, bien évidemment. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir. Ah, le petit bug qui fait plaisir. Et on va retrouver... Attendez, est-ce qu'il n'y a pas mon vendeur préféré par hasard? Yes, il y a mon vendeur préféré. Et en plus, il y a des caisses partout. Et ça, ça c'est encore plus un putain de plaisir. Oui, des grenades, c'est bon ça. Ok.
Putain, j'aimerais tellement ramasser toutes les munitions qu'il a derrière. Yo frérot, est-ce que t'as quelque chose de sympatoche à m'annoncer et à m'offrir, si possible, ça pourrait être... Ok. Bah pas grand chose. Ah, Riot Gun, ça clignote, mais pourtant... Ah d'accord, je pouvais améliorer mon Riot Gun. Très bien. Ok, bon, et bah écoutez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le petit like familial et... Ah bah tiens, une nouvelle épreuve. Allez, on commencera la vidéo par ça, la prochaine vidéo. N'oubliez pas le j'aime, on va lire ceci. Mémo de Louis, le premier gouverneur du château a enterré les Plagas dans les profondeurs de la forteresse pour cacher leur existence. Mais quand Salazar a relâché les Plagas, qui aurait cru qu'il leur redonnerait la vie? Quand Salazar les a trouvés, ce n'était que des restes momifiés. D'accord, donc c'est Salazar qui a déterré les Plagas. Tout le monde savait que les organismes parasites ne pouvaient pas survivre sans un hôte. Mais quand Salazar et ses hommes ont déterré les restes, on aurait dit que les Plagas attendaient d'être trouvés pour revenir à la vie. Plusieurs années plus tard, de mystérieuses convulsions ont commencé à affecter les habitants du village ayant participé aux fouilles. Ah, c'est donc les fouilles. Puis, du jour au lendemain, ces habitants se sont transformés en sauvages violents. On a appris plus tard que ces réactions étaient dues aux Plagas. Ils étaient momifiés, mais avaient survécu toutes ces années dans un état latent à un niveau cellulaire, sous forme d'entités ressemblant à des spores. Lors des fouilles, les villageois ont inhalé les spores, qui ont été réactivés dans leur corps. C'est ainsi que les Plagas sont revenus à la vie. Au moment où j'écris ces lignes, on poursuit les fouilles pour trouver les Plagas. Dieu seul sait combien de bébés Plagas ont été ressuscités, et nous ne parlons pas de la quantité incroyable de Guanados qui ont vu le jour. Il faut absolument faire cesser ce désastre. Si personne n'intervient, la secte va faire de nombreuses victimes dans le monde entier. Donc là, excipe le virus T. On parle bien évidemment d'un nouveau virus, mais ça vous l'avez compris depuis le début. Allez, à très bientôt pour le nouvel épisode. Bisous tout le monde, ciao ciao.